What's up, folks? Plusieurs d'entre vous me posent la question, c'est quoi une Switch? Pourquoi j'ai une Switch? Pourquoi j'ai dépensé 400$ pour une Switch? Pourquoi je me commence à poser mes études à la place? Bon, je vous montre aujourd'hui en détail qu'est-ce qu'une Nintendo Switch. Let's go! Bon. Fait que pour ceux qui posent la question, qu'est-ce qu'une Nintendo Switch? Bon, on a le boîtier ici. On a l'écran de la Switch elle-même ici. On va voir une manette avec des trous, un set de Joy-Con avec ces deux petits accessoires ici. Bon, à quoi sert tout ça? On va le savoir bientôt. Donc, avant même que je commence avec ça, en fait, feature intéressant avec la Nintendo Switch, l'écran est tactile. Fait que c'est quand même très cool. En fait, qu'est-ce qui est aussi fun, c'est que contrairement à PlayStation où il faudrait acheter un disque externe, ici on a un petit espace que Nintendo a consacré pour les cartes micro SD pour aller chercher plus de mémoire. Fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Switch? On peut toujours la mettre sur une table, comme ceci. Et on peut jouer directement tout seul à la maison avec une manette comme ça, ou on peut simplement jouer à deux. Fait que ça, c'est pour le mode à deux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut toujours faire aussi? There we go. On glisse les Joy-Con du côté. On est rendu avec une console à part entière pour jouer à la maison, dans l'autobus, dans le métro, mettons, jouer à Zelda, pour Smash, whatever. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mode à deux et on va le voir beaucoup mieux en l'insérant dans le boîtier ici. On good. Bon. Fait que, quand on est à la maison, on peut toujours prendre la manette que Nintendo nous offre, y glisser les Joy-Con sur le côté. Et on est rendu avec. Bon. Fait que, j'irai pas en détail aujourd'hui sur le jeu de Mario Kart. Juste vous montrer comment fonctionne la Switch une fois à la maison. Fait qu'on va directement dans le mode turbo avec la manette, puis on est vraiment rendu avec une manette. Je sais que j'ai pris débutant, mais bon, c'est juste pour montrer un exemple. En fait, tant pis, on va changer de marque. Je ferai pas la course au complet, étant donné que la seule chose que je vais vous montrer, c'est que on peut faire. Calé comme une douille, en tout cas. Bref, ça c'est le mode solo à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire par après? Si on veut décider de jouer à deux, on peut aller dans le mode multiplayer. Après, encore une fois, c'est un exemple. On sépare les Joy-Con ici avec le petit accessoire ici de Nintendo de donner avec un côté plus un côté moins. Juste assurer de premièrement le débarrer. Glisser moins avec moins, plus avec plus. On le barre. Et voilà. On fait de même avec le côté plus. On le barre. Boum. Fait que nous voilà avec deux manettes complètes qui fonctionnent indépendamment une de l'autre. Fait que mettons que je prenne un exemple. Oh là là, c'est un désastre. Bon, évidemment, pour la cause, j'ai pris ce course-là parce que pour faire le dépasser facile, c'est une ligne droite. Puis vous montrer que les deux manettes fonctionnent clairement, indépendamment un de l'autre. Crap. I don't even know who is this one. Oh crap.
je suis premier, man, impossible. Ouch. Fait que bon. Tu sais quoi? On va les inverser, moi. Tant que ça, c'est plus simple. Oh non! Fait que bon, j'ai arrêté le massacre, là, c'est complètement ridicule de faire ça. Mais bon, fait que vous avez un exemple de comment on peut fonctionner la Switch, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi après, c'est que. Oups, mauvaise manette. Cabaret. Une fois qu'on achète une deuxième set de Joy-Con, on peut directement jouer à 4 sur la Nintendo Switch. Sur le même écran, évidemment. Là, je pourrais pas le faire, mais. L'écran va se séparer en 4 comme de soi. Bon, on aura juste à ajouter les deux autres manettes supplémentaires. Et nous voilà avec un mode 4 manettes. Fait que ceci était court 101 Nintendo Switch. Fait que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai une Switch. Fait que laissez-moi tranquille à dépenser 400$ pour ma Nintendo Switch. Fait que see you another day, folks. Bye bye.